RTL, fais gaffe, madame, monsieur. Donc, c'est ça la situation. Donc, selon Gary Pierre-Paul Charles, information, JPPC, des hommes lourdement armés s'approchent de plus en plus du palais national. Claire. La police? À l'intérieur, des hommes lourdement armés s'approchent de plus en plus du palais national. Le moment n'a pas là. Maintenant, à l'intérieur des unités, à l'intérieur, les unités sont en condition D. Et sont prêts à engager le combat selon un responsable du palais national qui a voulu garder l'anonymat. Nous ne pouvons pas parler national. Nous ne pouvons parler avec Omoun là dans le palais national pour nous connaître exactement ce qui a passé là. Quoi Negaxam envahi la RIA tout près par le national. Selon Gary Pierre-Paul Charles de Scoop FM. Et unité dans le palais national qui paraît pour mener combat face à Negaxam Sayo selon Gary Pierre-Paul Charles. Okay. Esaïe pour aller chercher plus d'informations. Nous proposons et puis au retour. Nous allons faire contact. Nous connaissons, nous exactement, tout près par le national. Mm-hmm. Et nous sommes capables de jouer en face par le national, là, sorti en face du segment 1. Et nous, la zone à la vitesse, nous avons marqué Communication Maglais, faut-il débarrasser pour nous capables de. Spécialisé du palais national. Très bien, très bien là. Les USGPN, ouais, de sécurité Esaïe, communication Maglais. Ouais, bon, qui boy? Oui, est-ce que nous là, Louko, ou d'Adem? 5 sur 5, qui boy? Et nous, exactement, tout près palais national, exactement, et l'on sorti en face segment. C'est là, nous y est. Et bien, côté, et là, exactement, gagné pour de cassation. Là nous sortis en haut, nous remarquons, et non on n'a pas la voilà là, quelqu'un qui est l'armée qui fait débarquer là, ok, et nous avons pris le contrôle, et espace là, qui baille sous, on nous dit, en face, en face et coup de cassation. Maintenant, nous dit que l'on sorti dans la rue des casernes, et où est la rue des ministères, il faut que nous dit que nous avons un peu de monde qui est regroupé au parti groupe, on nous dit, quelques groupes monde regroupés. Côté Abgadé, ça s'est passé. Et j'ai eu trois véhicules de l'unité de la sécurité présidentielle et USGPN qui, là, eux-mêmes, ils ont monté la garde par devant du palais national. Mais selon plus d'un, selon certains et certains monde, eux-mêmes qui ont été fait parler avec eux, c'est qu'il y a des coups d'âme qui t'ont tiré. Oui, mais parlez, parlez. Alors, c'est qu'il y a quelques coups d'âme qui t'ont tiré aux alentours du palais. Mais bien entendu, en ce qui a fait un problème qui vient à voir la question assaut qui t'a fait ce palais, l'hypoco ça, sinon que c'était des annonces qui étaient faites sous base que t'as gagné des nègres exam, des nègres lourdement armés qui t'a préparé et c'est ça l'information payée, des nègres lourdement armés qui t'a gagné pour aller attaquer le palais national. Alors attaquer le palais national. Attaqué pour faire tout ça, le président est déjà assassiné dans la CAILI, et nous rappelons le 7 juillet ce passé là. Qui ça, nègre exam, ça va faire? Est-ce que c'est pour faire chouance? Nous ne connaissons pas, mais un fait est clair, c'est que ces combats sont tout bon vrai, nous connaissons, aux abords du palais national. Il y a quelques monde qui nous ont donné là, c'est que c'est exactement faire. Bon, c'est là que moi-même, c'est Jean-Ruel Hippolyte, m'a salué le côté désir, nous-même, c'est Baslaria. Ok. C'est-à-dire que c'est brusquement nous on coupe nègre pour l'église cathédrale là. Venir avancer pour ici. Hein. Ok. Fait coup de deux armes. Donc il y a pas avancé sous palais. Oui, il y a avancé qu'on y a tout pour courir, qu'on y a boy. Il fait back. Boy courir, boy débarqué. Oui, boy débarqué. Et puis monsieur Larichard. Oui, il fait back. Merci beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que vous nous connaissez? T'es content de vous dire que t'as vu la action. C'est bien. Et c'est des dégâts d'âme qui t'ont sorti dans une zone bloc sous Bel Air et pour traverser au niveau du palais. Nous connaissons et palais à lui-même, il est sous bloc Bel Air. Donc, c'est des dégâts d'âme qui t'ont avancé. Maintenant, des dégâts au niveau de Boyd. Ok, Boyd, d'après appelé nous. Et qui c'est brigade d'opération départementale. Qui eux-mêmes est intervenu et monsieur, mais il y aurait poussé monsieur fait back.
Donc nous on a pas la voilà là. C'est deux trois nègres l'armée moi qui campé devant et quartier général, ancien quartier général qui toujours une quartier général bien entendu parce que était venu reprendre qui était venu ministère culture. Donc monsieur Pal et monsieur Sayo, yo campé et tout près tout 2004 là, yo prend position pour capable et frapper et s'il le faut et à n'importe quelle frappe, à n'importe quel assaut qui t'a fait sous palais national. Et monsieur Kamanouye, et n'a fait pas avec nous. Donc voilà, nous va parler, monsieur va parler. Eh, ça comment dit? Et ça va dans un an. Bon, à foutre les capteurs des pays. Allô? Oui, comment? Il n'est pas à foutre des pays, les capteurs des pays, comme les Zambam. Donc monsieur lui-même a réclamé pour les amis des Zambal en mail pour être capable d'affronter tout le monde, mais qu'a fait et le fait au niveau de pays. Donc c'est ça l'information. L'information, c'est que tu as le groupe de nègres. C'est que des groupes qui a d'âme, qui t'a ventilé, pour être capable, nous ne parlons pas de ça. Mais l'essentiel, c'est clair, c'est que des unités de la police nationale et unité Boyd, repoussent ces messieurs. Et nous, on n'a pas la voir toute situation retournée à la normale. Et circulation a continué, élèves sur l'école, et toute activité a marché. Nous, on n'a pas la voir sous cette masse-là. Mais un chef de masse qui est un peu timide. Parce qu'à n'importe quel moment, couille qu'a fait. Donc c'est plus de peur que de mal. Et plus de peur que de mal, seulement maquette fermée. Okay. Pia et maquette fermée. Et barrière coulée quand elles sont fermées. Et palais national. Et voilà. Alors faut nous dire que. Mais comment circulation est-ce que vous dans la rue, donc machine gare? Oui, il y a des dans la rue, mais seulement où est la rue timide. Eh bien. Et puis il y a une maquette pas là encore, bah, on dit, mais il était levé, puis il y a une maquette, donc il parle encore. Et la cour de cassation, barrière fermée, et circulation continue, et machine privée, machine publique continue à frapper. Et puis nous sommes capables de dire, chauffeur moto a frappé. Comme du coup, il y a des en pile, le coup des yeux. Merci à vous. Donc voilà, c'est le cas et de le dire, il le coup des yeux. Donc la situation est très calme aux abords du palais national. Sinon que dans notre zone, il y a des problèmes qui posaient. Mais nous, on n'a pas la voir sous cette masse, dans le palais national, tout est calme. Merci à vous, les amis, merci à vous. Et voilà, et bien, c'est ça qui m'attendait. On va voir que ça a eu déjà dépêché rapidement quitter Radio Éclair. Et puis pour le guet arrivé sous jeune masse, et c'est plus de peur que de mal, effectivement. C'est une tentative, donc des hommes armés qui étaient pour initiative, qui étaient arrivés sous palais. Mais ils étaient venus repousser par la suite par l'unité de Boyd de la police. Et puis qu'on y a actuellement là, donc l'armée est censée prendre compte de la situation et également donc, les différentes unités de sécurité donc, du palais national. Donc dans un moment, on n'a pas rien là, parce qu'à n'importe quel moment, n'importe quoi est capable de griver fait au niveau du chef de masse. Ok. Là, Claude Joseph, en réponse à Luis Abinader, font tweet pour le rappeler, Luis Abinader, également dominicain, que question insécurité, il n'y a pas seulement un rapport avec Haïti, c'est sur l'île. Dominicain vexé, fermé frontière, révoqué visa étudiant, c'est pas départ en pile. C'est pas départ en pile. Eh bien, nous avons parlé là. Luis Abinader a demandé pour Dr. Ariel Henry révoquer Claude Joseph. Il est clair sous ça. Maintenant, délégation qui a laissé Dominique là, qui a probablement produit un rapport là vendredi, nous allons regarder le rapport ça. Est-ce que le rapport là peut demander officiellement sur demande de la République dominicaine? Pour Dr. Henry, tu as écarté Claude Joseph en fait du ministère des Affaires étrangères, madame. Mais finalement, tout le monde met qui te veille. Ce que j'ai dit en fait, en conclusion, moi, j'ai compris que pour moi-même, la République dominicaine font cadeau à Claude Joseph. Luis Abinader font cadeau à Claude Joseph. Comme Dr. Henry, c'est son personnalité qui a un caractère très cynique. Là où côté le balai, c'est là le balai, il a décidé d'évoquer Claude Joseph. Mais l'histoire retiendra. Ok? Décision ça. Parce que, comment le président Dominique a demandé au responsable d'État en Haïti pour lui évoquer un membre du personnel de l'État en Haïti? Parce qu'elle a fait travailler, parce qu'elle a demandé tout simplement, est-ce que Dominique n'est pas connu que pour la sécurité, c'est sous l'île là, il
ils sont responsabilité partagée avec lui. Et ça, c'est un fait. Et c'est un fait, bah, moi, là-bas. Mm-hmm. Maintenant, alors, il y a un évoqué Claude. Peut-être, les cabinets ont fini formés, ils ont toujours été comme ministre des Affaires étrangères. Et bien, après, c'est un temps, il est capable de évoquer. Mais Chotia, là, son cadeau que lui, Sabinader, lui-même, il fait. Donc, à Claude Joseph, madame, monsieur. Et ça, son dossier pour nous suivre ici. Hein. Madame, monsieur, est-ce que vous nous avez passé là, dans le moment? Louis Abinader chargé pour l'homme la Cali comme président dominicain. Galvez son titre. Gagne dossier l'argent coronavirus là. Même jour en Haïti. Gagne je cadre sur question l'argent Petro Caribé. L'argent coronavirus là. Presque 14 milliards. Ok? Il fait fond. Pas qu'à explication qui baille sur l'argent ça. Eh bien il fait fond. L'argent fait fond. Plus. Non, président, Louis Abinader qui n'a question Pandora's Papers pour question corruption. Sans compter, révocation illégale, la fin de la mission dominicaine, madame, monsieur. Dominicani n'est pas bien, ouais, monsieur. Maintenant, la profiter de dossier haïtien pour refaire ton santé politique. Ah oui. la brise mal politicien passé. Ça n'est pas passé, mais matin. C'est quoi ça, tu veux faire? Ça n'est pas passé, mais matin. Galvez, comment nous y est? Bonjour, Loco. El Dominicano. Ah, mon cher, j'aime bien nos camarades de toute langue. Là. Le coq qui parle tout corps, ok? Tout grand, il y a un grand, la caille ou la prochaine de l'boum. Bon, c'est matin des bagages, ça dit. Faut-il baisser le volume, récepteur qui bat coton là? Tout petit. Oui. Eh bien, oui, on allait. Premièrement, si tu n'aimes pas, comment c'est pour nous dire? Effectivement, Abinader révoqué, il y a 6 autres fonctionnaires déjà dans le gouvernement là, et bien des mondes qui t'ont mélangé avec le pays. Dernier monde qui est évoqué là, c'est le directeur impose dominant, eh bien, qui est évoqué avant hier, il était la justice, eh bien, il y a un pile monde qui a demandé côté sa parler, parce que le premier monde qui est évoqué là, c'est le ministre de la jeunesse là, bande de Kimberly Tavera, il y a une demoiselle âgée de 33 ans, eh bien, qui déclarait un patrimoine de près de 600 millions de pesos. Eh bien, son âge, j'ai demandé, est-ce que côté comme ça? Et puis, puisque le président va faire un comme ça, il se révoque. Mais comme du tout, c'est vraiment un problème net, il y a un problème d'insécurité, il y a un problème tout et corruption. C'est ça. Alors que je dis à la corruption, pour qu'il sache que la première eh bien, il a prié pour Dieu, il a prié la Vierge Marie, la Virgin d'Alta Gracia, pour qu'il sache qu'il n'y a pas tablé kidnapping dans le pied, dans le paillol. Bien qu'il commence déjà. Comment commencer déjà, Louko? Qui t'a bien commencé, Dominicani? Oui, j'ai commencé en Dominicani. Et actuellement, il a prié parce que y a un haïtien, c'est qui n'a pas de nom. Vous mettez net parce que vous ne pouvez pas d'espagnol, vous mettez. Vous pouvez mettre. Quand on a commencé à faire, premièrement, gagné en Dominicain avec tout le monde qui a kidnappé déjà dans la capitale là. Deuxième, on a été kidnappé, c'est un policier, Nabaraouna, à tout uniforme soumis. Troisième, on a fait un auto-kidnapping. C'est trois frères dominicains eh bien, qui étaient dans les propres de Dieu, et bien que des familles de Canabay, 1 million de personnes, et bien, il y a eu 45 personnes en plus. Ça veut dire que l'État dominicain a boumé pour qu'on a vu ça. Pour ça va prendre en bas de kidnapping. Troisième à Madouloko, pour faire Panama Papers. Louis Abinader, nous connaît les papas mourir. Tendez bien, ça met donc une cloche. Louis Abinader, les mourir, papal. L'idée qui était un patrimoine de 458 millions de dollars américains. Ah bon, papa? Papa président. Ok. Papa président Luis Abinader a quitté un patrimoine de 458 millions de dollars américains. Mais maintenant, tout le monde, Luis Abinader, c'est un multimillionnaire qui est lié et l'agence a été dérivée de Haïti. Eh bien. Et 70% de pour qui ça, nous connaissons. Université, nous avons gagné, eh bien, haïtien aussi l'a étudié et étudié en dollars américains. Deuxième bagaille, Mamdou Louko, hier, il y a eu les CONEP, qui est le Conseil national des domaines privés dominicains,
la réunion s'est gagnée, Fabien Abinader obligé de convoquer tous les secteurs politiques et pour le cas de venir dans l'opinion sur l'affaire Haïti, eh bien, le secteur politique a dit nous avons, président Abinader, si nous avons la souveraineté de pays à menacer, eh bien, nous sommes capables de tout caver commerce avec Haïti. Ça, c'est une grosse déclaration hier soir. Après que le comité s'est réuni. Reprenez l'information pour nous, Galvez. Alors, je me disais que. Alors, bien entendu, je me disais que tu as une réunion que tu as fait avec les représentants de plusieurs partis politiques sur la question Haïti. Mais reprenez l'information pour nous. Il y a un conseil national des entreprises privées dominicaines. Eh bien, il dit, président, si c'est pour sauver la souveraineté du pays, nous-mêmes, nous sommes disponibles et disposés pour nous couper le commerce là avec Haïti. Eh bien. Parce que c'est ce que dominicain, eh bien, qui toujours vendre avec Haïti, qu'on y a là, là, il y a l'autre des bras. Qu'on y a, soit faire diplomatie haïtienne et dominicaine. Louko, il y a un certain monde qui est toujours demandé. À nous, Haïti, nous qui avons fait la guerre, nous avons fait la guerre. À nous qui avons fait la guerre. Mais femme du Louko, est-ce que l'État haïtien est capable de vérifier ensemble avec DNI, en Dominicanie, avec l'État, à Vendela, parce que le président,